Salut, c'est Naïmas, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne de pâtisserie où on va réaliser ensemble des recettes professionnelles à faire chez soi. Pour cette première recette, nous allons réaliser des financiers que j'ai décidé de décliner en financier à la cacahuète. Et c'est parti pour la première recette. Pour la recette, nous allons avoir besoin de sucre glace, de poudre d'amande, de farine, de blanc d'œuf, de beurre et de pâte de cacahuète. Pour cette recette, nous allons commencer par faire un beurre noisette. Donc je vais mettre mon beurre à chauffer. Puis, dans un second temps, nous allons tamiser notre sucre glace, la poudre d'amande et la farine ensemble. Notre beurre et noisette, on va le laisser refroidir gentiment. Une fois nos poudres tamisées et le beurre noisette réalisé, je vais juste rajouter ma pâte de cacahuète dans le beurre afin de bien le dissoudre et qu'il soit plus facilement incorporable lors de la recette. Maintenant, je vais incorporer petit à petit mes blancs, puis je vais ajouter à la fin le beurre noisette et la pâte de cacahuète. Puis nous allons après procéder au pochage et à la cuisson. On va incorporer son beurre avec sa pâte de cacahuète en plusieurs fois. Afin qu'il y ait une bonne incorporation de la matière grasse. Une fois notre beurre bien incorporé, je vais juste légèrement corner, filmer contact et le réserver au frais. Une fois notre appareil mis au frigo, nous allons préchauffer notre four à 180 pour cuire les financiers à 170 pendant 10 à 15 minutes selon la taille de vos financiers. Avec du beurre fondu, je vais graisser mes moules à financiers pour après boucher l'appareil dedans.
vous pouvez très bien trouver cette forme ou même d'autres en grande surface, via des flexibles, ça marche tout aussi bien. Moi, ce sont des moules que j'ai depuis quelques années. Une fois nos moules graissés, nous allons pocher l'appareil dans les moules, puis le mettre à cuire à 170 pendant 10 à 15 minutes selon la taille de vos pièces. Si ce sont vraiment des petites pièces de la taille d'un petit four, ça sera plus 8 à 10 minutes. Si par contre ce sont des pièces aussi grosses que cela, ça sera vraiment, on partira plus sur 10 à 15 minutes pour être vraiment, pour avoir une bonne cuisson. C'est parti pour la cuisson. Et voici l'astuce du chef. Pour votre appareil financier, vous pouvez réaliser votre appareil la veille et les cuire le lendemain. Justement, ça permettra à ce que votre recette ait le temps de reposer et qu'elle ait une meilleure cuisson. Si vous voulez cependant changer les goûts, pour par exemple réaliser un financier cacao, vous pouvez retirer en partie ou totalement la farine et la remplacer par du cacao poudre et y ajouter justement des pépites de chocolat. Si c'est pour faire un financier pistache avec des framboises, là je vous conseillerais plus de retirer la moitié de votre poudre d'amande et de rajouter de la poudre de pistache à la place. Pour les framboises, il vaut mieux y mettre des framboises fraîches plutôt que des framboises surgelées. Elles auraient tendance, lors de la cuisson, à rendre beaucoup plus de jus, ce qui, en termes de cuisson, rallongerait en fait le temps de cuisson et pourrait justement trop colorer vos financiers. C'est tout pour la petite astuce. Nos financiers sont cuits, nous allons les démouler à chaud. Alors, petit conseil pour éviter vraiment de vous brûler, prenez un torchon ou si vous avez justement un gant pour le four, prenez-le pour justement attraper votre flexipon ou si vous avez comme moi des petits moules en métal. Sont finis. J'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi à réaliser la recette. N'hésitez pas à liker et à partager et à vous abonner à la chaîne. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.